Phénomène insécurité a un gros impact sur presque toute couche dans la société haïtienne. L'école, l'église, commerce, santé, bref, personne pas épargné de insécurité ça, notamment kidnapping qui passe spontané banda dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, sans compter ville provinciaux. Situation ça pas sans conséquence sur l'école yo. Côté majorité nan yo qui établi dans zone choyo obligé fermer porte yo puisque la police bon côté pal gen difficulté pour garantir sécurité yo. C'est même difficulté hein pour monde qui nan business notamment si détaillant qui prend la rue, yon j'ai l'ouvri, yon j'ai fermé pour aller chercher manger pour petit yo. Dans l'aéroport Port-au-Prince, pas gen un pile monde qui entré à cause la pérèse pour bandi pas kidnappé yo. Dans diverses écoles qui nan quartier défavorisé côté bandi contrôlé quartier sa yo, c'est avec un pile qui est cassé élève avec professeur prend la rue. Nan matin pour aller fréquenter établissement sa yo. Gamanuel Brutus, c'est professeur nan niveau secondaire nan quartier difficile yo. Le lycée pas fonctionné. L'autre bon lycée d'un lycée La Saline, l'autre bon lycée d'un lycée Pétion, l'autre bon lycée d'un Daniel Fignolé, lycée Cité Soleil tout. Lycée ça pas fonctionné parce qu'il y a un problème insécurité dans le pays. Lorsque il y a un problème sécurité, bien là pas agi sur l'éducation. L'école va pas fonctionner dans zone yo. Et si moun yo fait dans zone n'est pas responsable de côté fait là. Donc c'est l'État qui a pour créer conditions pour moun vivre. La sécurité, la vie et des biens, ils dépendent de l'État. Pays d'Haïti vient tourner un véritable enfer. En pile dans Silayo qui gagne six moyens traverser en République Dominicaine, pays voisin, pour sauver Poyo et famille. Fonctionnement l'école yo, pertibé de temps en temps, même 120 jours, élèves yo pas arrivé comblé. Citoyen yo, pas qu'on qui s'en pour yo relé en bas phénomène ça, continuer, mandé autorité qui concerne yo prend responsabilité yo. Insécurité ça arrivé dans dernier niveau selon sa citoyen yo fait connait nan kay tant kou nan la ri yo pè pour bandi pa vin kidnapper yo. Industrie kidnapping ça rend diverses familles haïtiennes vin pi pov alors que solution ak problème nan semblait pas pour demain. Nous t'ai rencontré avec Jean Daniel Louro, yon lot enseignant qui fait va-et-vient dans zone difficile yo. L'a témoigné qui Jean psychologiquement phénomène insécurité a affecté. Insécurité a arrivé sur tout le monde. Yon enseignant, imagine ou ap leve matin, ou fin mette rad sou pour al travail, et bien autant de audio, ah mon cher, si je nous pral passe à la attention, oui, et li bloqué parce que bandi, et bien te tue un moun la, la pou sa fait intervention ou pas passe. Lò levé le matin, autant de odi, yon kidnappé, yon kolè pou se barè yo. Moralement, ou pas même moun encore. Eh bien, lè gen sécurité, ou pas ka fonctionner bien, ou pas ka sorti au rabais. Éducation pral bay la, tout son pral bay comme éducation, comme instruction, eh bien, ou pas ka bay li bien parce que ou pense pour notre travail là, est-ce qu'on pral la kay ou après? Selon yon rapport, Centre Recherche et Analyse mette de yon nan date 4 mai qui saute passé là pour petit bandi exam kidnappé 91 moun pour mois avril là contre 27 pour mois mars là ça qui représentait une augmentation 300% kidnapping ça au fait contre rançon et au vacillé entre 100 000 à 1 million dollars vet selon rapport qui soulignait 43% dans cas ça yo enregistré dans Port-au-Prince 22% dans Croix-des-Bouquets 19% dans Carrefour à 16% dans Delma. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Malgré ce répit qui gagne en dans la société concernant référendum qui gagne rapport avec changement constitution 29/87 là, gouvernement haïtien toujours kembe date 27 juin 2021 pour citoyens yo ak 4 démalogue yo nan men yo à travers les unes al di oui pour une nouvelle constitution ou non. Référendum lancé 27 juin donc il a continué et enregistré monde pour élection et registre pour élection après le fermé comme élection prévue pour 19 septembre l'a fermé 19 juillet. Comment société civile haïtienne ouais projet référendum 27 juin. Joseph Domingue Orgila qui c'est coordonnateur général Conseil national société civile haïtienne dit toute organisation qui fait partie structure l'a dirigé hein, d'accord avec projet ça mais faut comité consultatif indépendant sensibiliser tout le monde qui pas d'accord yo avant 27 juin 2021. Il y a pas accéléré question pour permettre nous arriver dans un référendum en bas un consensus
côté de tout secteur impliqué, nous pensons que c'est bon pour Haïti, c'est bon pour travailler. Président comité consultatif indépendant pour élaboration projet changement constitution, hein, M. Boniface Alexandre, fait qu'on est en pile assise déjà déroulée sous question ça à travers le pays, hein, pour qu'on y ait hein, l'abtonne proposition chaque monde ou bien structure organisée. Yo. Sénateur Yuri Latortue, qui c'est leader parti politique Haïti en action, en même temps, membre opposition démocratique, là, fait qu'on est démarche ça illégal. Le référendum là, est illégal, est inconstitutionnel, et qu'il n'y a pas de faire. Et pas comme ça pour changer la constitution. Nous parlons ça depuis 2020. Cependant, nos passés internationaux là, ils pas de lecture ça. Je dis à que vous rejoignez nous. Jovenel Moïse lance appel dialogue une autre fois encore by tout secteur clé dans la vie nationale là, particulièrement opposition là, pour résoudre crise politique haïtienne. Moi pas jamais suspendre loger la même et l'ouvrir voir moi by frère Maxime yo dans opposition. Pays malade, c'est petit fils seulement qui va guérir. Yon appel plusieurs dirigeants opposition là, Yuri La Tortue ak André Michel ak divers lot rejeté pendant que leader Conseil national société civile là Joseph Domingue Ogila accueilli favorablement. Qui fait organisation qui dans conseil là, c'est des organisations qui t'est toujours t'a prôné dialogue. Qui t'a prôné résolution pacifique de crise là. Parce qu'on t'a toujours dit craser briser à pas mettre aucun côté c'est Haïti l'a fait bac et c'est Haïtien qui a perdu plus espoir par rapport à ça on t'a gagné comme attente de pays. Nous même nous dit, il n'est pas nouveau parce que toute bataille n'a pas mené, c'est comment résoudre la crise d'une manière pacifique. Pendant ce temps, le Conseil électoral Jovenel Moïse a mis bouchée double dans le cadre de réalisation référendum constitutionnel après ça pour y passer tête droite dans l'élection générale yo fait l'année 2021. Yon dossier n'a pas suivi. Phénomène insécurité a un gros impact sur presque toute couche dans la société haïtienne. L'école, l'église, commerce, santé, bref, personne pas épargné de insécurité ça, notamment kidnapping nan, qui passe spontané banda dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, sans compter ville provinciaux. Situation ça pas sans conséquence sur l'école yo. Côté majorité nan yo qui tabli dans zone chaud yo obligé fermer porte yo puisque la police bon côté pal gen difficulté pour garantir sécurité yo. C'est même difficulté hein pour moun ki nan business notamment ti détaillant qui prend la rue yon j'ai l'ouvri yon j'ai fermé pour aller chercher manger pour petit yo. Dans l'aéroport Port-au-Prince, pas gen un pile monde qui entré à cause la pérez pour bandi pas kidnappé yo. Dans diverses écoles qui dans quartier défavorisé côté bandi contrôlé quartier sa yo, c'est avec un pile qui cassé élève avec professeur prend la rue nan matin pour aller fréquenter établissement sa yo. Gamanuel Brutus, c'est professeur nan niveau secondaire nan quartier difficile yo. Pile lycée pas fonctionné. L'autre lycée dans lycée La Saline, l'autre lycée dans lycée Pétion, l'autre lycée dans Daniel Fignolet, lycée Cité Soleil tout. Lycée ça pas fonctionné parce qu'il y a un problème insécurité dans pays ya. Lorsque il y a un problème sécurité, bien là pas agir sur l'éducation. L'école va pas fonctionner dans zone yo. Et si moun yo fait dans zone yo pas responsable de côté en fait là. Donc c'est l'état qui là pour créer conditions pour moun vivre. La sécurité, la vie et des biens, ils dépendent de l'État. Pays d'Haïti vient tourner un véritable enfer. En pile dans Silayo qui gagne ti moyen traverser en République Dominicaine, pays voisin pour sauver poyo ak famille. Fonctionnement l'école yo petit b de temps en temps, même 120 jours élèves yo pas arrivé comblé. Citoyen yo pas konn ki sain pour yo relé en bas phénomène ça, continuer mander autorité qui concerné yo prend responsabilité yo. Insécurité ça arrivé dans dernier niveau selon sa citoyen yo fait konnen. Nan kay, tankou nan la ri, yo pè pou bandi pa vin kidnapé yo. Industri kidnapping sa, ran divers fami haïtien vin pi pov, alors que solution ak problème nan, semblé pa pou demain. Nou te rencontré ak Jean-Daniel Louro, yon lot enseyan ki fè va et vient nan zone difficile yo. Lap témoigné ki jan, psychologiquement, phénomène insécurité a affecté l. Insécurité a li rive sou tout moun. Yon enseignant, imagine nous, ou ap leve matin, ou fin mette rade sou pour al travail, et bien, ou tande ou djou, ah, mon cher, zon nou pral passe à la attention, oui, et li bloqué parce que bandi, et bien, te tue moun la, la pou sa fait intervention ou baka passe.
l'on levé le matin, autant de yon dit, yon kidnappé, yon kouale konse par yon. Bon l'allemand, ou pas même moun encore. Eh bien, l'aigle sécurité, ou pas qu'à fonctionner bien, ou pas qu'à sortir au rabais. Éducation pour le bail là, tout ce qu'on a bail comme éducation, comme instruction, eh bien, ou pas qu'à bail bien parce que on pense pour notre travail là, est-ce qu'on peut la caille après? Selon un rapport, Centre Recherche et Analyse mettait d'ailleurs une date 4 mai qui s'est passé là, pour petit bandit à examen kidnappé 91 personnes pour mois avril là, contre 27 pour mois mars là. Ça qui représentait une augmentation 300% kidnapping ça a fait contre rançon et on va vaciller entre 100 000 à 1 million de dollars vet selon rapport qui soulignait 43% dans cas ça yo enregistré dans Port-au-Prince, 22% dans Croix-des-Bouquets, 19% dans Cafou et 16% dans Delma. Yves Manuel depuis Port-au-Prince.